Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 37 de Coin du DVD. Après avoir donc parlé de la lettre R, il est temps de passer logiquement à la lettre S. Lettre S dans laquelle j'ai encore une fois beaucoup de choses, mais je crois que c'est une lettre dans laquelle j'ai le plus de films hétéroclites et différents. Dans le sens où j'ai Skyfall. Bon, Skyfall, je ne vais pas avoir besoin d'épiloguer dessus, vous savez quel film c'est et vous savez à quel point je suis fan de James Bond. Euh, j'ai par exemple Silent Hill, qui est pour moi un excellent film adapté d'un très grand jeu vidéo fait par un cinéaste français que j'apprécie beaucoup. Et vraiment, je défendrai Silent Hill bec et ongle parce qu'il y en a plein qui ont tendance à dire c'est facile, c'est cliché. Et alors, par contre, ce que j'ai toujours du mal à comprendre, c'est que Christophe Gans relance à nouveau la saga Silent Hill. C'est bizarre, mais bon. On fait avec. Et il y a par exemple le film dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, qui est dans un genre très différent. On est sur du drame poétique, extrêmement mélancolique, qui a envie d'aller dans une optique un petit peu douce et amère du genre, et qui donc nous offre un long chemin de croix d'un homme qui s'apprête potentiellement à se suicider. Oui, c'est pas joyeux. Mais en même temps, le Single Man, premier long métrage du grand couturier qui est Tom Ford, est un film que j'ai beaucoup aimé dès sa sortie. Et j'en ai vu plein l'adorer avec Nocturnal Animals. Parce que son deuxième long métrage a été beaucoup plus radical dans sa démarche. Dans le sens où il avait une esthétique qui était encore plus marquée, euh, un parti dramatique qui était vraiment passionnant, qui allait dans une direction très radicale et qui prenait aux tripes. Mais déjà, dans... A single Man, qui a tout de même 10 ans, Tom Ford avait déjà une bonne grosse majorité de ses idées de mise en scène plantées, ancrées et placées pour la suite de son cinéma. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous proposer avec son troisième long métrage parce que je pense que ça sera tout aussi intéressant. Euh, mais en tout cas, a Single Man est un film que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un beau long métrage, très esthétique, très lent, très suave, euh, donc qui nous raconte l'histoire d'un homme qui a son compagnon qui est décédé il y a peu et qui depuis ne cesse de se questionner autour de l'idée de l'amour et de ce qu'il doit ressentir et qui de coup parce qu'on est en 1962 se pose des questions parce que pour être sincère on est homosexuel en 1962 c'est un poil mal vu voire même euh, tu peux te taper une lapidation un hein, fastoche hein. et donc du coup on va le voir durant je crois une journée Passer par plein de stades, se poser beaucoup de questions, euh, rencontrer euh, des jeunes garçons, euh, aller voir sa meilleure amie, et on va juste essayer de comprendre quelle est sa vision du monde et savoir si finalement il va décider ou non de se suicider. Parce que c'est le but premier du film. C'est un film qui est vraiment impressionnant quant à son visuel. Euh, on va dire que Single Man, on pourra poser beaucoup de questions quant à l'essence dramatique du film, parce que le film dure une bonne heure quarante, et mine de rien. Il a un poil long, pour être sincère. Et je suis le premier à aimer ce film. J'aime vraiment beaucoup Single Man, mais je reconnais qu'il a un poil long. Qu'il a tendance à, à abuser de certains effets, à étendre un petit peu la corde, en termes de dramaturgie et de narration, à pousser jusqu'au bout du bout du bout du bout son histoire, qui t'a vraiment sonné très très long par instant. Mais qu'est-ce que c'est beau visuellement C'est impressionnant. Ça se voit que c'est fait par un mec qui est fasciné par l'esthétique et qui a envie du coup que chaque plan, chaque élément présent à l'écran, chaque mouvement, chaque cadrage, chaque colorimétrie ou élément colorimétrique qui va faire basculer la séquence dans un certain stade, je pense par exemple à une séquence romantique sur un parking qui est vraiment impressionnante. Parce qu'il y a un jeu d'esthétique, il y a un travail de lumière qui éblouit littéralement nos yeux de spectateur. Et c'est ça en fait qui fait que j'aime beaucoup le style de Tom Ford. Et qu en même temps, c'est compliqué de l'analyser parce qu'il a fait que deux longs métrages. Donc on pourrait toujours passer des heures et des heures à essayer de comprendre son style en termes de couturier. Et donc se dire qu'il y a des liens forcément entre la couture et le cinéma. Et donc il a essayé de mixer les deux. Ça sera un enfer. Et personnellement, je n'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui s'occuperont de faire ça. Mais en tout cas, on sent que Tom Ford, du coup, au travers de ce film, il a envie d'imprimer une vision, une vraie vision d'auteur au spectateur. Et du coup, quand j'en vois certains un peu lâcher Tom Ford en disant Ouais, c'est juste un couturier qui a voulu se mettre à la mise en scène, c'est quand même un peu débile, et puis c'est facile comme sujet, et puis c'est froid, c'est clinique. Ouais, mais est-ce que le sujet se prête pas finalement à être froid et clinique À regarder le personnage avec un tel recul que lorsqu'il va y avoir de la couleur dans ce film, lorsqu'il va y avoir des, des petits soubresauts d'esthétique qui vont amener cet élément qui va presque éblouir le spectateur, est-ce que ce n'est pas ces instants qui sont importants à retenir et pas le reste où on se dit c'est froid, mais c'est beau, c'est lisse, c'est intense, c'est poétique, c'est unique. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je vois des cinéastes qui ont des styles très léchés, très beaux, très... très purs finalement en un sens, en termes de visuel. Mais je vois rarement des cinéastes qui, comme Tom Ford ici, ont envie que tous leurs plans soient tellement parfaits qu'on en dirait presque du Kubrick. Et pas du Kubrick dans le sens où euh, c'est hyper métaphorique, où il y a une grosse réflexion, ou alors c'est techniquement hallucinant. Juste du Kubrick dans le sens, c'est tellement léché que ça se voit que le mec a dû refaire 100 fois une même prise pour être sûr d'avoir le bon plan, parfait, avec la bonne vision du personnage, le bon jeu d'acteur. Et, et c'est ça en fait qui me marque dans ce film. C'est d'avoir la sensation qu'il y a un cinéaste derrière qui s'est pas juste dit « j'ai envie de faire un film ». Qui s'est dit « c'est important que mon film soit le plus impressionnant possible ». Au-delà de ça, il y a aussi le fait que Colin Firth est en tête d'affiche, Colin Firth étant un immense acteur et ici démontrant tout son talent au travers d'un jeu extrêmement élégant et suave. Et pour moi, très sincèrement, il aurait dû avoir l'oscar du meilleur acteur dès ce film-là. Pas besoin d'attendre le discours d'un roi, il aurait fallu qu'il dès ce film-là. Julianne Moore est très belle également dans un second rôle. Il n'y a pas beaucoup malheureusement de bonus à se mettre sous la dent sur ce DVD. Il y a vaguement un portrait de Tom Ford, il y a vaguement un rapport qui est fait entre son travail de couturier et la mise en scène de son métrage, ça reste très lisse honnêtement en termes de contenu, ce DVD n'est pas très fourni, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, je m'attendais pas à ce qu'il soit non plus hyper fourni lorsque j'ai acheté, parce que généralement les films Warner, mais qui ont repris des films Mars Distribution, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, pour être sincère. Mais vraiment, si vous n'avez jamais vu A Single Man de Tom Ford, moi je vous le conseille parce que c'est vraiment beau visuellement. Peut-être que vous ne serez pas forcément à fond dans l'histoire, peut-être que vous allez vous sentir un peu mis de côté, mais pour moi, c'est une œuvre qui est tellement forte en termes de visuel et tellement marquée par un auteur qui sait ce qu'il veut en faire qu'on ne peut qu'être séduit par A Single Man. Donc, ouais, essayez de le regarder, je pense que ça pourrait vous plaire. Ainsi s'achève donc cet épisode 37 de Coin du DVD. Comme d'habitude, que vous ayez vu ou que vous ne l'ayez pas encore vu, dites-moi ce que vous avez pensé de a Single Man dans les commentaires. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord et que je vais lire ces beaux visionnements. Mais l'histoire, franchement, trois petits points. Possible qu'il y ait des gens qui mettent exactement ce commentaire en plus. Bref, et comme d'habitude, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.